Il était temps qu'on s'en parle. Allez, prépare-toi, ça va piquer un petit peu. J'avoue que je fais cette vidéo parce que je suis crissement tanné de recevoir ce genre de message. Et je sais que ça va continuer encore et encore. Tu as sûrement vu au moins une fois dans ton fil d'actu sur les réseaux sociaux si tu es un photographe ou simplement un artiste dans tes amis. Faire un long post pour dire à quel point on en a marre de se faire demander des collabs ou échange de services contre de la publicité qui clairement, moi, ne fait pas partie de mon régime alimentaire. Je préfère manger quelque chose qui me garde en vie, tu sais. Il va de soi que tout cela est aussi valable du côté des modèles pros qui vivent tout autant ce genre de situation et de messages, voire bien pire. Et ça, on en parle dans une prochaine vidéo. Une demande de collaboration pour les photographes s'articule souvent dans ce type de scénario. C'est une personne lambda, que tu ne connais souvent absolument de nulle part, qui va venir te demander un shoot photo gratuitement en collab. Tu devras remettre des photos à cette personne, qui en plus souvent est assez exigeante, et elle espère avoir la même qualité que ton travail pour lequel tu es usuellement payé. Bien souvent aussi pour le plaisir de la prendre en photo, parce qu'elle a une grosse visibilité Instagram ou YouTube, et elle te dit qu'elle va parler de toi, au frère de son ami qui connaît un mec qui fait de la flûte avec ses trous de nez, et aimera sûrement tes photos. Petite parenthèse, j'inclus ici les artistes qui ont déjà de l'expérience, et qui souhaitent en vivre, se sont professionnalisés, et ne sont souvent pas encore assez reconnus, comme moi. Pour que les gens se permettent de leur poser ces questions. Ces questions-là es-tu peu à peu notre estime personnelle. Et là, tu pourras me dire les phrases qu'on entend le plus souvent. Ben, pourquoi? Tu devrais être flatté qu'on te demande ça? Ça veut dire qu'on aime ton travail? Je suis très flatté, merci bien. Mais si je te remets le contexte, à la fin du mois, même si tu nourris mon organisme de flatterie et publicité, je peux te garantir que mon loyer et mes factures, elles seront toujours là. Pff, photographe, c'est pas un vrai job, là. On regarde d'autres travails et tout, mais photographe, c'est pas... Non, c'est pas un vrai métier. C'est ta passion seulement, là. Ça existe pas, là. Bien écoute, ça va peut-être étonner. On achète du matériel qui nous coûte de l'argent pour produire nos photos et le résultat que tu aimes. Surprise, motherfucker. Donc, mets-toi à la place de la personne à qui tu demandes ça et pense à ce que ça te ferait à toi si presque à chaque jour, on venait te demander de faire ton travail gratuitement. C'est f***ing insultant, je t'assure. C'est mon dernier shoot, en fait. Ouah, celle-là, elle est bien. Et ton appareil, il fait super photo, hein. En plus, t'as juste appuyé sur un bouton, en fait. Hein. T'appuies là, et puis... Ok, tu sais quoi? Je vais t'illustrer en image ce qui inclut une prestation d'un photographe pro pour que tu comprennes que tu ne payes pas juste pour qu'il ou elle appuie sur un bouton. All right, motherfucker. Que ce soit en école de photo, payante et bien chère, ou tout seul comme dans mon cas, on dépense dans des formations pour se perfectionner et acquérir des techniques professionnelles afin de produire un travail de qualité. Normalement. Ceci inclut le matériel photo, qui comprend souvent au moins un boîtier, 2-3 objectifs et batterie au minimum. C'est souvent bien plus que ça. De qualité professionnelle pour la construction et obtenir des résultats crédibles en termes de qualité. Un ordinateur qui tient la route, les abonnements logiciels qu'on paie de façon mensuelle pour le post-traitement des photos. Oui, ça c'est la chose qu'on fait après le shooting photo, pendant des heures, pour que les photos nous ressemblent et ressortent du lot. Devine quoi en plus, du matériel, ça s'use et se rachète, c'est donc une dépense qui finit par revenir tout le temps. Tu le sens que ça commence à pas mal monter et à faire là. Il y a aussi la création d'un site, son hébergement, un nom de domaine, pour présenter son travail pro. Les cartes de visite, les taxes auto-entrepreneurs pour pouvoir garder en vie son entreprise, les heures de recherche des lieux intéressants pour la future séance, les demandes d'autorisation pour certains endroits publics quand il y a lieu, la mise en place et le transport du matériel, le trajet pour aller au lieu plus ou moins loin quand ce n'est pas en studio, et j'en oublie certainement en plus. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qui sera de plus en plus dans l'esprit des gens, de réfléchir à deux fois avant de demander une collaboration. Personnellement, j'ai rencontré ces situations tout d'abord en tant que musicien.
Hashtag les concerts gratuits ou contre quelques petites bières, et encore plus en tant que photographe. C'est quelque chose qui est très usant, et même si certains s'en rendent pas compte, c'est rabaissant pour notre travail. Pour nous, ça veut dire que tu l'estimes pas assez qualitatif pour en payer le résultat. J'aime énormément ton travail, j'aimerais beaucoup avoir des photos faites par toi, mais j'ai pas d'argent pour un shoot. Ça c'est marrant parce que ça vient souvent des personnes qui ont le dernier iPhone à la main ou qui se prennent 5 Starbucks semaine. Puis entre nous, c'est assez rare qu'une séance portrait, par exemple, coûte autant que le dernier cellulaire à la mode. Bien évidemment, on a tous commencé quelque part, et bien souvent par des collaborations pour justement acquérir cette expérience qu'on n'avait pas. Mais cette demande de collaboration, nous en sommes souvent les investigateurs. Et il arrive un moment où on décide de se lancer pour de bon, car on estime avoir assez investi et qu'on a assez d'expérience pour se proposer comme prestataire. Alors que ce soit un amateur ou un professionnel, à moins que la demande ne vienne de ce dernier, et que tu souhaites vraiment travailler avec lui car tu es en amour avec son travail, bien demande-lui ses tarifs pour lui prouver que tu as de la considération pour ce qu'il fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais plus de collaboration à proprement parler, j'ai beaucoup de travail à côté. Et si je dois travailler gratuitement sur une séance, c'est parce que j'ai du temps pour, que le projet me parle un maximum, et que cela va m'apporter autant humainement qu'artistiquement. Si ce n'est pas une commande, que j'ai un projet perso de photo en tête avec un thème, eh bien j'organise ça avec une équipe qui recherche exactement ce genre de projet, et que ça va leur apporter au moins autant qu'à moi. Et j'essaie même parfois de proposer ça aux personnes qui m'ont un jour demandé une collaboration si leur profil convient. Je suis heureusement pas si mal chanceux au niveau de mon entourage, car j'ai des amis et des connaissances qui m'ont un jour demandé des photos, et bien que proche de moi, ils m'ont toujours demandé automatiquement mes tarifs. Et ça, c'est une belle preuve de respect et de considération. Je les en remercie d'ailleurs. Ouh, voilà, ça fait du bien. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis un esti de temps. Et la masse de messages de demandes de collaboration ces derniers temps, bah, ça m'a fait pousser le besoin en dehors des orties. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Si tu t'es reconnu dedans, que ce soit d'un côté ou d'un autre, très bien. N'hésite pas à partager cette vidéo. C'est important pour tout le monde. C'est pas tout, moi j'ai un déménagement à commencer. Je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, à la prochaine. C'est seulement une passion, tu peux... Avec quoi tu vas faire l'argent avec ça, hein?